pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Car si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Les femmes de Jérusalem pleurent en me voyant dans un tel état d'ignominie. Le monde pleure devant la souffrance. Ne pleurez pas sur moi, mais sur le péché. Je parlais ainsi pour les bourreaux qui m'entouraient et que je désirais tant sauver. Quand je vous vois souffrir pour moi, je recueille vos souffrances avec un grand amour, comme si les vôtres dépassaient les miennes et avaient une valeur que mon cœur voudrait rendre infinie. Ne me laissez pas manquer de souffrance. Elles aident les pécheurs. Les âmes qui m'aiment attirent ma miséricorde et sauvent le monde. Laissez-vous embraser du désir de consoler mon cœur pour réparer tant de péchés. Offrez mes mérites au Père comme s'ils étaient à vous. Combien peu s'en servent. Ils sont là. Tous à votre disposition. Moi, je vous dis, vous qui me suivez sur la voie étroite, plus tard, le monde vous verra cheminer dans les verts pâturages, tandis que lui et les siens marcheront sur le feu que leur plaisir et leur jouissance leur auront préparé. Méditons ensemble. La mère de Jérusalem sont émus de pitié en voyant passer le condamné. Mais Jésus voit plus loin que leur compassion. Il les appelle avec force à reconnaître le salut et le passage de Dieu dans leur vie. Jésus, tout endolori, ne pense pas à lui, au plus fort de la souffrance. Il console et réconforte. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Jésus voit l'angoisse et l'isolement de ceux qui sont rejetés, exclus de la société. Tant d'hommes et de femmes aujourd'hui errent dans nos villes, perdus, sans repère ni guide. Nous autres, bien souvent, n'avons de préoccupations que de nous-mêmes et d'exigences qu'à l'égard du prochain. Ô Jésus, tu frappes à notre porte. Viens, Seigneur Jésus. Prends possession de nos cœurs, libère-nous de l'égoïsme, ouvre notre cœur à la miséricorde et à la compassion. Fais surgir dans ton Église, Jésus, et dans la société, de bons bergers, des guides, des témoins qui éveillent l'espérance et montrent le chemin vers l'unité et la paix. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Au sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect, un grand amour, pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, comme au ciel,
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Ayez entre vous les sentiments dont était animé le Christ Jésus. Il s'est anéanti en prenant la condition d'esclave. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Contemplez-moi, approchant du calvaire et tombant pour la troisième fois. Ici, je fortifierai ceux qui sont sur le point de tomber dans la mort éternelle. Le sang des blessures que me causa cette troisième chute les purifiera. Il leur obtiendra de se relever une dernière fois, afin d'arriver à la vie éternelle. Il y a bien des manières d'avancer, même par chute. Ne crains pas de crier si tu tombes, mais que ce cri aille vers ton Sauveur. Regarde-moi, j'ai été jusqu'au bout de chaque souffrance. J'ai voulu tout souffrir afin que vous puissiez me rencontrer à mi-chemin de vos souffrances. Je viens toujours au-devant de vous. Vous apportez le soutien et la joie de peiner avec votre Sauveur. Va amoureusement, jusqu'au bout de ta souffrance et de ton sacrifice. Ne t'arrête pas volontairement. J'aimais, je sauvais. Aimais et sauvais. Mon honneur de sauveur, des prières, des pénitences, c'est la monnaie d'achat et de rachat. Je joins à d'autres prières et tes sacrifices, et une âme est sauvée. Vous qui désirez me ressembler, ne refusez jamais un acte coûteux. Dût-il vous faire une nouvelle blessure, qu'importe. Ce sang donnera la vie à une âme. Imitez votre modèle et avance vers le calvaire. Méditons ensemble. Jésus tombé à terre de nouveau. La foule curieuse regarde s'il aura la force de se relever. Par là, Jésus nous crie son mystère d'humilité. Ce mystère qui nous fait avoir honte d'être encore et toujours si orgueilleux. Jésus vacille encore et s'écroule, mais son cœur est inébranlable. Il ira jusqu'au bout, portant avec la croix le poids des péchés du monde. Il est écrasé par la violence et les coups. Lui, le doux, aime chacun de nous. Il est venu pour nous conduire à la communion des cœurs. Son cœur est déchiré par les blocages de peur, de haine, les refus de pardon qui nous habitent, nous empêchant d'accueillir l'amour. Épuisante et rude peut-être, aussi la route de l'abnégation, du sacrifice, du dévouement. Mais que ne ferait-on pas pour le Christ et son royaume? Ô Seigneur, donne-nous la force de persévérer dans ton amour.
et dans le bien. Dissipe nos peurs, brise nos cœurs de pierre. Ouvre-nous à ton amour, à ta présence. Libère-nous, Jésus, par ta patience. Guéris-nous par ton humilité. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion. Par ses plis, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins, pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec grand respect et un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Voyez avec quelle cruauté on me dépouille de mes vêtements. Contemplez dans le silence dans quel abandon je demeure. N'aie pas peur de regarder mes blessures. Elles sont à toi. Ne les ai-je pas souffertes à votre service? Il faut les saluer comme les bienfaitrices qui t'ont sauvé. Est-ce que ton cœur peut rester fermé devant mes blessures ouvertes? Comment hésiterais-tu à me faire des sacrifices? Mon sang coule de tout mon corps en ruisseau. Je laisse mes veines se vider de leur sang. Il faut entrer dans l'intimité de mes souffrances connues et inconnues. Ne suis-je pas devenue la douleur vivante par amour pour vous? Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas croire à mon amour? Je n'ai vécu et ne suis mort que par amour des âmes. Ah, les âmes, quand tu pries pour elles, tu me fais tant plaisir. Laissez-vous dépouiller de vos biens, de votre propre volonté, de tout ce que vous possédez. En échange, je vous revêtirai de pureté et je vous couvrirai des trésors de mon cœur. Méditons ensemble. Avec quelle violence les bourreaux dépouillent Jésus de ses vêtements sans proférer une plainte. Jésus endure toutes les douleurs, tous les affronts, tous les outrages. Le chemin de croix de Jésus s'achève.
Le sommet du calvaire est atteint, et aussi l'humiliation ultime infligée à Jésus. Le voici exposé nu à la risée du public. La souffrance de Jésus expie nos péchés d'impureté, d'impudeur et de sensualité. Seigneur Jésus, crée en nous un cœur pur. Garde-nous dans la chasteté requise par notre état. Ouvre notre cœur au repentir et restaure en nous la pureté perdue, source de tout amour. Montre-nous, Jésus, comment revêtir de respect nos frères et sœurs dépouillés de leur dignité. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion. Par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines et par son cœur, par tous ses mérites divins, pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de notre Rédempteur, nous vous adorons avec grand respect, grand amour, pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tous pécheurs que nous sommes, soyez-nous propices. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Il a été transpercé à cause de nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Me voici au sommet du calvaire où je vais me livrer à la mort. On m'étend, on me cloue sur la croix. Je n'ai plus rien. Pas même la liberté de mouvoir une main, un pied. Mais ce ne sont pas les clous qui m'assujettissent ainsi, c'est l'amour. Aussi ne sort-il de mes lèvres ni une plainte, ni un soupir. Comment aurais-je eu le courage d'assister aux préparatifs qui se faisaient devant moi, si je n'avais eu dans la volonté le grand désir de la gloire du Père et la soif de votre salut? J'ai ouvert le ciel à tous, mais chacun est libre. C'est à vous, mes frères, de compléter le salut des hommes en me le demandant et en souffrant pour eux. Qu'est-ce qui vous fait peur en moi? A-t-on peur d'un homme étendu à terre, livrant aux clous ses mains et ses pieds? Je vous ai aimés tous et chacun jusqu'à l'excès, alors ne doutez jamais de moi. Quand on a souffert cela, que peut-on refuser? À chaque fois que tu m'as présenté au Père et que ton âme s'est unie à mon âme douloureuse, le salut du monde s'est élargi parce que tu as complété ma prière. Si vous êtes cloué sur la croix, ne vous plaignez pas.
Ne murmurez pas. Quand ces clous bénis vous déchirent les mains et les pieds, venez embrasser mes plis. Là, vous trouverez la force. Méditons ensemble. Au début de sa vie publique, Jésus est debout. C'est le bon berger qui enseigne, qui montre le chemin et qui guide ses brebis vers les verts pâturages. Plus tard, il se mettra à genoux pour laver les pieds de ses disciples et les élever. Maintenant, Jésus, roi d'amour, est ligoté. Ses mains qui ont béni tant de monde, ses pieds qui ont tant marché pour semer l'espérance et l'amour, sont à présent cloués au gibet. On cloue Jésus sur la croix, tandis qu'il prie pour ceux qui l'ont livré à la mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi, Seigneur ? Pour nous dire que Dieu est amour, amour infini, amour tout-puissant. Qui d'entre nous n'a jamais subi d'injustice, d'outrage ou d'humiliation ? Mais la foi renonce à la vengeance. Elle enseigne le pardon des offenses. Jésus, donne ta lumière à tous ceux qui sont cloués par la maladie et la souffrance. Seigneur Jésus, nous t'en supplions. Apprends-nous à pardonner, même à nos plus grands ennemis, pour obtenir aussi la grâce de ta miséricorde. Ô Jésus crucifié, aie pitié de nous, pécheurs. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect et un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. La croix m'accompagne sur le chemin du calvaire. Et c'est sur la croix que je rends mon dernier soupir. Adore-moi, mourant. Je suis mort pour les pécheurs. Pour toi, en pleine vie, je suis mort. À force d'avoir été frappé. J'ai laissé fuir tout mon sang, goutte à goutte,
jusqu'à la dernière. Je suis mort pour mieux vous donner la vie. Quand tu m'offres tout sanglant, il se passe quelque chose au ciel et sur la terre. Ne le crois-tu pas? À quoi auraient servi mes douleurs? Que fais-tu de la bonté du Père? Souvenez-vous de mon cri, je vous criais une dernière fois, mon amour. C'était le dernier jet de mon cœur, en d'horribles souffrances. Mon amour n'est jamais mort. En tout temps, je vous ai aimé. Quand ta vie s'arrêtera, que ce soit dans un cri d'amour, je suis toujours crucifié devant le Père. Il voit au même instant tous les temps. Je suis toujours l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Vous, qui avez la croix comme compagne inséparable de votre vie, soyez sûr que dans ses bras vous rendrez le dernier soupir. Soyez sûr qu'elle sera la porte par où vous entrerez dans la vie. Embrassez-la avec amour et aimez-la comme le plus grand de vos trésors. Méditons ensemble. Pendant 3 heures, Jésus est pendu à la croix. Il peut à peine respirer. Il a tout perdu, mais il demeure en communion profonde avec sa mère. Ô Marie, toi qui es là, debout au pied de la croix, aide-nous à rester debout dans l'adversité. Jésus, tu nous as confié Marie pour qu'elle nous rappelle chaque jour que le sens de toute chose, c'est l'amour. Croyons-nous vraiment que Jésus est mort pour nous sauver et pour gagner notre cœur? L'œuvre de la rédemption est accomplie. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Tels furent les derniers mots de Jésus, notre Sauveur. Le Christ a donné sa vie pour nos péchés et nous a obtenu la vie éternellement bienheureuse dans le ciel. Merci Seigneur de nous aimer autant. Oui, nous acceptons de nous laisser regarder et aimer par toi. Merci de nous dire inlassablement, mon enfant, par amour, j'ai donné ma vie pour toi. Mes frères et sœurs, avec reconnaissance, prenons un instant de silence. Seigneur Jésus, que ton sacrifice pour nous ne soit pas vain. Déliens du mal, délivre-nous et conduis-nous sur ta route de lumière pour que nous puissions, quand viendra l'heure, remettre en paix notre âme entre tes mains. Apprends-nous à rester avec Marie près de la croix de tant d'hommes et de femmes aujourd'hui. Ô Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect et un grand amour. Pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire? Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Considérez avec quelle charité cet homme juste descend mon corps de la croix. Il le remet entre les bras de ma mère. Elle l'adore, l'embrasse, laisse tomber ses larmes sur mon visage et sur tous mes membres. Puis elle le livre à ceux qui vont l'embaumer et le déposer dans le sépulcre. Si vous aviez vu mon pauvre corps dans les bras et sur les genoux de ma mère, il avait perdu toute sa beauté. Pour vos péchés, il avait été blessé à mort. Il avait traîné à terre. Mes membres étaient difformes, mon regard éteint. Ce n'était plus mon visage. Ma mère l'adore, l'embrasse, laisse tomber ses larmes sur mon visage et sur mes membres. Elle a bien peu de temps et cependant, avec quelle perfection, elle ferme chaque plaie et avec quel amour. Toi aussi, repose entre les mains de ma sainte mère. Laisse-la panser tes plaies. Avec Marie adorée, embrassez mes pieds. Laissez couler vos larmes sur mon visage et dites une parole de consolation à ma mère, qui est aussi la vôtre. Je suis éternellement mourant de soif pour votre salut. Toi, désaltère-moi. Aimez-moi pour tous les autres. Si le courage vous manque, en face de l'effort que vous devez soutenir contre votre nature, comprenez bien que ce n'est pas pour une jouissance terrestre que vous vous êtes engagé à porter ma croix, mais pour acquérir la vie éternelle et procurer le même bonheur à d'autres. Méditons ensemble. Qui peut croire que cet homme mort peut donner la vie? Qui peut croire que les crucifiés du monde peuvent nous donner la vie? Marie demeure là, silencieuse, brisée, broyée. Elle croit. Elle a vu son enfant très cher mourir dans la désolation. On a descendu de la croix le corps inerte de Jésus et Marie, sa mère, le reçoit sur ses genoux. Dans son corps, dans son cœur uni au cœur de son fils, le glaive de douleur est enfoncé et transperce son cœur.
et ses larmes coulent sur la chair meurtrie de son divin fils. Insondable est la compassion de Marie avec Jésus pour la rédemption de nos péchés. Ô Mère très sainte, tu nous fus donnée pour mère par ton fils Jésus mourant sur la croix. Nous t'en supplions, intercède pour nous et chacun d'entre nous. Ô Mère très bonne, conduis-nous à Jésus. Ô Mère des douleurs, prie pour nous. Prie pour que la souffrance ne soit jamais plus désespérance. Parce que Dieu est venu souffrir avec nous. Jésus, donnez-nous la foi dans l'impossible. Que de la mort, Dieu peut faire jaillir la vie. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion. Par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins, pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec grand respect et un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Mon cœur est dans la joie. Mon corps repose en sécurité. Tu ne permettras pas que celui qui t'aime voie la corruption. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Voyez avec quelle délicatesse on me dépose dans le sépulcre. Il est neuf et net, de la plus légère souillure. Aurais-tu pu, aurais-tu osé imaginer la mort d'un Dieu pour sa créature? Et une telle mort, prends courage, aime à reprendre courage. Pensez souvent à ma passion. Comprenez-vous l'amour de votre Dieu? Quoi que vous sachiez de la passion et de la rédemption, le sentiment de mon cœur qu'il a désiré si ardemment vous échappe. Avant, il était difficile de souffrir pour l'amour. Mais maintenant que je vous ai montré le chemin, ne vous serait-il pas doux de venir à moi dans vos moments de douleur? Le pire, après tant de souffrances, c'est d'être méconnu. Oublié de tant de cœurs glacés et indifférents, implore-moi pour eux. Même avant la passion, je savais ce que souffrir était. J'aimais ma passion par amour pour vous. Aimez-la à cause de moi. Écoutons ce que Jésus nous dit. Ma couronne d'épines fut
fut si horrible pour ma tête et si douce pour mon amour. Prends le sang qui coule des épines et lave-en le monde. Offre ces gouttes de sang au Père pour les pécheurs. Supporte les épines de chaque jour par amour pour moi, comme des épines à toi, pour me consoler de mes épines à moi. Cherchez toutes les délicatesses que vous suggérera l'amour, afin que votre cœur soit pur et prêt à m'ensevelir dans l'amour tendre, l'amour fort, l'amour constant et généreux. Méditons ensemble. Après le jour des ténèbres et de la haine, c'est le jour de l'angoisse, et tout semble fini. Mais le dernier mot, c'est Pâques. C'est le triomphe de la vie et de l'amour. Bien modeste sont les funérailles de Jésus, Nicodème, Joseph d'Arimathie, Saint Jean, Marie et quelques femmes. La pierre scelle le tombeau. Tout est fini. Pierre et les apôtres sont dans le désarroi et la confusion. Marie de Magdala pleure. Marie, la mère de Jésus, garde dans son cœur les paroles et les promesses de son fils. Elle entre dans le grand silence du samedi saint, jour de l'attente, jour de la confiance. Oui, on a descendu le corps sacré dans le tombeau, pas pour longtemps. Le jour de la résurrection est proche. Quand chacun de nous devra mourir, quand? Nul ne le sait. Peu importe le phase de nos funérailles, une seule chose compte, c'est d'être prêt à apparaître devant le Seigneur. Seigneur Jésus, garde-nous de la mort soudaine, accorde-nous le temps de la pénitence. Jésus, donne-nous la foi de Marie pour croire à la vérité de Pâques. Ô Jésus, donne-nous de t'aimer toujours. Lorsque tout paraît fini, l'espérance dans les promesses de Jésus demeure. Ô Jésus, apprends-nous à attendre dans l'espérance. Que ton corps sacré, reçu dans la sainte communion, nous donne la force de bien accomplir le grand passage et accueille-nous dans ton royaume. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect et un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Frères et sœurs, faisons maintenant la prière finale. Seigneur Dieu, accueille favorablement la prière dans laquelle nous nous sommes efforcés de suivre avec vénération
le chemin de croix de ton Fils. Nous te rendons grâce pour toutes les bonnes pensées que tu nous as inspirées. Renferme nos bonnes résolutions. Que le souvenir de la passion et de la mort du Christ nous garde du péché et éveille en nous le goût du bien pour nous conduire à la vie éternelle. Adorons maintenant les plaies de notre Jésus d'amour. Embrassons-les et disons ensemble le miséréré. Reconnaissons notre péché devant le Dieu de vérité. Notre humiliation sera accompagnée d'espoir, puisque nous savons que Dieu peut nous donner un cœur nouveau. Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, dans ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes actions mauvaises. Mon péché est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu es juste dans ta sentence. Nul ne peut te critiquer lorsque tu juges. J'étais mauvais déjà à la naissance. Quand ma mère m'a conçu, le péché était là. Mais tu veux la vérité au cœur de l'homme. Et dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Fais sur moi l'aspersion, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Fais que j'entende à nouveau la joie et la fête, et que danse mes os que tu as brisés. Voile-toi la face devant mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, refais-moi un cœur pur et qu'un esprit sans faille renouvelle mon intérieur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Redonne-moi la joie de ton salut. Rends-moi ferme par un esprit généreux. J'enseignerai tes voies à ceux qui fautent, et les pécheurs reviendront vers toi. Délivre-moi de la dette du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma bouche célébrera ta justice. Ouvre mes lèvres, Seigneur, que ma bouche dise tes louanges. Ce n'est pas le sacrifice que tu aimes. Je pourrais offrir des victimes, tu ne t'y plais pas. Un esprit brisé. Voilà mon sacrifice à Dieu. Tu ne regardes pas de haut le cœur brisé et humilié. Par bonté, Seigneur, fais du bien à Sion. Tu dois rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors tu prendras goût aux offrandes qui sont dues, aux sacrifices et holocaustes, aux jeunes bêtes offertes sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Cependant, vous savez que mon corps ne va pas demeurer longtemps au tombeau.